grenobloise touchée par un violent et très soudain orage dimanche en fin d'après-midi. Pas de victimes, mais quelques dégâts. Retour sur un feuilleton marquant de l'été, la violence entre bandes rivales pour l'obtention de points de deal dans l'agglo. La police de son côté multiplie les descentes. Et puis bien sûr, la rentrée scolaire qui concerne cette année un peu plus de 617 000 élèves dans l'académie de Grenoble. Pour l'Isère, on fera le point avec le directeur académique Patrice Gros. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le lundi 2 septembre 2024. Bienvenue dans ce premier JT de la saison, c'est déjà la 20e pour Télé-Grenoble. Nous allons découvrir ensemble l'actualité du bassin grenoblois. La tempête après le calme. On n'avait rien vu venir ou presque vers 17h hier dimanche, alors que le thermomètre affichait plus de 30 degrés. Des trombes d'eau et de violentes rafales se sont abattues sur la région grenobloise. Le vent a dépassé les 90 km/h et selon le relevé de précipitations du CEA sur la presqu'île, il est tombé 44,5 mm de pluie en 15 minutes. Près de 60 mm en une demi-heure. De nombreux grenoblois ont témoigné en vidéo sur les réseaux sociaux, y compris le conservateur du musée dauphinois, Olivier Cogne, qui a vu débarquer les chutes d'Iguassou dans les escaliers devant son domicile. Également la vidéo de l'A480. Au plus fort de l'orage, 8600 foyers ont été privés d'électricité. Les sapeurs-pompiers sont intervenus à plus de 130 reprises, principalement pour des chutes d'arbres et des locaux inondés. Dans le centre-ville de Grenoble, la voie sur berge a dû être coupée à la circulation et la ville a décidé de fermer ses parcs et jardins le temps de vérifier les arbres qui ont pu être impactés par la tempête. Toul, en revanche, ce matin, du côté du SMAG, le syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise, qui a lancé ce lundi M-Réseau, un réseau unique pour remplacer M-Tag pour la métropole et M-To-Go pour le Grésivaudan. Pour l'occasion, le réseau était gratuit ce lundi. Pour le reste, il est désormais possible, avec un seul abonnement ou un seul ticket, de voyager sur les deux territoires et au même prix qu'avant. Autre nouveauté, la ligne de tram D est prolongée depuis quelques jours vers la gare. La ligne 12 remplacée par la C8. Arrivée aussi d'une C9 entre Verdun et Brignoux, C10 entre Échirolles et Crôle et 17 entre Verdun et le lycée du Grésivaudan. Et puis vous venez de le voir, la passerelle piétonne et cyclable du pôle de la Bâtie à Saint-Imier est aussi désormais ouverte. Il avait été président du syndicat mixte à l'époque où il ne s'appelait pas encore le SMAG, mais SMTC. Claude Bertrand est décédé il y a quelques jours à l'âge de 84 ans. Durant son mandat de 2001 à 2008, avaient été inaugurées les lignes de tram B, C, D. Militant du Parti communiste, Claude Bertrand avait également été élu à la ville d'Échirolles et au conseil départemental. Cet été encore, les trafiquants de drogue n'ont pas pris de vacances dans la banlieue grenobloise. On était habitués à des règlements de compte estivaux pour s'attribuer des points de deal. Mais les dernières semaines, les actes de violence ont été particulièrement violents. Pourtant, les pouvoirs publics multiplient les actions pour tenter de perturber le trafic, comme c'était le cas récemment en plein centre-ville de Grenoble, dans le quartier Hoche. Jérémy Pinard. Chaque année, la même mélodie, celle des bruits de balles et des fusillades. Grenoble a encore souffert d'un été enflammé. En un mois, 8 fusillades ont été recensées pour un bilan de 1 mort et 15 blessés. Il s'agirait pour la plupart de règlements de compte axés autour du trafic de drogue. Bien implantés sur l'agglomération, une trentaine de points de deal alimenteraient les 50 000 clients estimés, dégradant la vie et la sécurité des habitants de ces quartiers en difficulté. Un réseau grandissant qui inquiète les autorités locales. Mais pour lutter, les forces de l'ordre se déploient comme ce lundi à 20h. En centre-ville, dans le quartier Hoche, 40 policiers, dont notamment la CRS 84, sont venus déranger les activités sur place. Ce sont des zones de paupérisation. Dès qu'il y a un point de deal, il y a une paupérisation. Vous n'entrez plus dans votre immeuble comme vous rentrez chez vous. Vous avez des personnes qui sont constamment en bas de l'immeuble. Vous avez des personnes qui vont en permanence faire des allées et venues. Tout cela, c'est une vie qui n'est pas normale. Et donc toutes les personnes qui sont impactées par ces points de deal méritent notre attention, notre soutien. C'est pour ça que nous travaillons constamment. Ce soir-là, les cages d'escalier ont été fouillées, les personnes sur place ont été contrôlées, mais rien à signaler. Le point de deal s'est comme volatilisé. Un travail de terrain obligatoire pour garder un œil sur ces réseaux. Il y a plusieurs niveaux d'action. Il y a une dissuasion déjà, des interpellations et on a également des enquêtes de fond. Là, on a... beaucoup d'enquêtes ouvertes suite au coup de feu, mais on a aussi des enquêtes ouvertes sur les organigrammes des trafics de stupéfiants, sur des secteurs bien identifiés que je ne vous donnerai pas pour l'instant.
Et si le coup de filet n'a rien donné ce jour-là, pour la police, ce type d'opération permet de rester présente au contact des habitants. Alors vous allez trouver des habitants qui vous diront peut-être que ça ne change rien ou que le fait que l'on passe un moment fait qu'après, il ne se passe rien derrière. Et puis d'autres, au contraire, qui vous disent oui, votre présence, et je pense à certains quartiers où la présence a été reconnue dans la durée. Parce qu'on fait, comme on travaille dans la durée, il y a des personnes qui disaient, qui me l'ont dit à moi, qui l'ont dit aussi à mes collaborateurs, que oui, ils vivaient mieux maintenant qu'avant. Mais je vous dirais que pour certains, c'est encore insuffisant, c'est pour ça que nous continuons. Héritière d'un passé de grand banditisme, la ville de Grenoble n'arrive toujours pas aujourd'hui à se détacher de cette étiquette. Le syndicat de police nationale de l'Isère évoque un manque de 115 effectifs sur le terrain, un renfort qui leur permettrait de rendre cette lutte contre le trafic de stupéfiants plus efficace. Il n'y a pas que les produits stupéfiants qui viennent des Pays-Bas. 289 communes du Nord-Isère ont été placées en zone régulée préventive à la propagation du sérotype 3 de la fièvre catarrhale ovine, une maladie virale apparue en Hollande en 2023, propagée par le moucheron, qui touche principalement les ovins et bovins, mais qui n'a pas d'effet sur l'homme et n'a aucune incidence sur la qualité sanitaire des denrées. Les éleveurs isérois concernés vont pouvoir disposer de doses de vaccins gratuitement. Mais pour beaucoup, parents, grands-parents et surtout enfants, l'info du jour, c'est bien sûr la rentrée des classes. On y reviendra dans un instant avec le directeur académique de l'Isère, Patrice Gros. Dans les collèges, le département est en première ligne qui s'intéresse au bien-être des élèves, à la cantine, mais aussi à la récré. Pour lutter contre les îlots de chaleur, la collectivité désimperméabilise les sols et met progressivement en place des cours oasis. L'objectif, c'est de faire baisser la température de 2 à 8 degrés en période de forte chaleur. C'est déjà le cas depuis quelques mois au collège Fernand Léger de Saint-Martin-d'Hères, établissement choisi par le président du département Jean-Pierre Barbier pour faire sa rentrée. Alors les cours Oasis, c'est un concept qui permet de rechercher dans les cours des collèges des lieux que nous végétalisons pour que les collégiens, dans les intercours ou entre midi et deux, puissent trouver des points de fraîcheur. Alors ces points de fraîcheur sont créés grâce à de la végétation, grâce à des arbres, grâce à l'ombre que cela procure. Alors, c'est des investissements lourds. Hein, une cour Oasis comme celle-ci à Saint-Martin-d'Hères, c'est 470 000 euros. Donc nous, on veut aussi avoir la certitude que ce soit parfaitement adapté, que les enseignants l'utiliseront et surtout que les élèves l'utiliseront. Donc les élèves ont vraiment proposé ce projet. En tout cas, on dit que la cour de récréation, elle était très grande, mais on s'y ennuie et puis on ne sait pas forcément quoi y faire en période estivale notamment. Et donc l'idée, c'était de travailler avec eux, de les accompagner sur un projet qui soit réalisable. La cour de récréation est un espace où les élèves n'avaient pas très envie de se rendre lorsque je suis arrivée. On leur demandait souvent de sortir du hall et ils avaient beaucoup de mal à le faire, donc on observe aujourd'hui que les élèves vont beaucoup plus facilement dans la cour de récréation, et puis en termes d'indicateurs on peut observer qu'on a beaucoup moins de bagarres ou d'incivilité dans la cour qu'auparavant. Dans l'agglo, le collège Jean Villard d'Échirolles a également sa cour Oasis. En Isère, 21 devraient être terminées d'ici l'automne 2025 et 10 sont en cours d'études. Cartable sur le dos, des troupeaux d'élèves font donc leur rentrée cette semaine, principalement ce lundi. Pour les autres, ce devrait être mardi. Et comme chaque année, il y a aussi quelques changements. On va en parler avec vous, Patrice Gros. Bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes le directeur académique de l'Isère. Est-ce que cette rentrée s'est bien passée ? À ce stade, elle s'est très très bien passée. Je tiens à remercier tous les enseignants et tous les personnels, que ce soit des personnels éducation nationale ou des collectivités territoriales qui ont mis toute leur énergie pour que cette rentrée, se passe bien. Mais à ce stade, effectivement, tous les élèves ont pu rentrer sereinement. C'est un travail d'équipe. Est-ce qu'ils ont tous pu rentrer avec un enseignant qui s'est présenté devant eux dans leur classe ? Alors, les 240 000 élèves de ce département ont pu faire leur rentrée. Nous avons beaucoup travaillé pour qu'effectivement, il y ait un enseignant devant chacune des classes. Pour le premier degré, effectivement, nous avons bien un enseignant devant chacune des classes. Pour le second degré, avec Madame la rectrice, nous avons travaillé, et les services bien sûr,
sur des cellules de recrutement pour pouvoir assurer justement un recrutement d'enseignants à la hauteur du nombre de classes. Nous avons encore quelques points de tension. C'est quoi? C'est sur des matières ou des zones géographiques? Alors, il y a une zone géographique qui est en tension, c'est le Nord-Isère, de par l'attractivité de la région lyonnaise. Et puis, il y a quelques disciplines en tension. C'est le cas, par exemple, de l'éco-gestion, des lettres modernes, français, ou les mathématiques, où là, il nous manque encore quelques ressources. Ces enseignants, vous allez les chercher où? Ce sont des contractuels? Oui, tout à fait. Ce sont des contractuels. Alors, peut-être dire aussi que la situation est beaucoup moins difficile que l'année dernière. Et donc, les conditions d'accueil des élèves sont beaucoup plus favorables cette année. Donc, ces contractuels, ils sont formés comme les autres ou presque, en tout cas, est-ce que le niveau de formation est suffisant pour qu'ils soient présents devant des élèves aujourd'hui? Oui, ils ont les diplômes universitaires pour être enseignants. Ils sont recrutés, donc ça veut dire qu'il y a une certaine motivation et les compétences, j'ai envie de dire scientifiques, sont attestées. Et ensuite, il y a une formation avant la prise de poste pour que tous les éléments pédagogiques puissent être leur aide donnée pour qu'ils puissent prendre en charge les élèves. Alors, il y a dans les tuyaux une réforme de la formation initiale. Pour l'instant, elle est un petit peu en stand-by du fait du contexte politique. Oui, tout à fait. À ce stade, plusieurs éléments qui ont orientation politique qui avaient été données sont gelés. Certaines ont été promulguées, hein, donc sont applicables dès cette rentrée. D'autres, sans doute, vont l'être dans les semaines qui viennent. Et puis, des dernières qui sont gelées. Alors, la réforme qui est applicable dès cette rentrée, c'est l'instauration de groupes, initialement appelés groupes de niveau par Gabriel Attal lorsqu'il était ministre de l'Éducation, et finalement renommé groupe de besoin par la ministre Nicole Belloubet. Cette mesure avait été critiquée par des syndicats enseignants, par des parents au printemps dernier. Vous nous rappelez le principe? Oui, tout à fait. Alors, ce sont bien des groupes de besoins. Ce sont des groupes de besoins mis en place dans chacun des collèges du pays, en français et en mathématiques, en 6e et en 5e. L'idée, c'est bien de pouvoir répondre aux besoins des élèves, de les identifier d'abord, de pouvoir regrouper des élèves qui ont le même profil pour pouvoir répondre à leurs besoins. Ce n'est en aucun cas un tri, ni un tri scolaire, bien sûr, mais ni un tri social des élèves. Ce sont des groupes flexibles qui vont pouvoir bouger au cours de l'année en fonction des évolutions et des besoins de chacun des élèves. Et chaque établissement s'organise comme il l'entend? Tout à fait. La ministre l'a dit, et dans l'Académie de Grenoble, la rectrice de l'Académie de Grenoble l'a dit et répété, on travaille avec pragmatisme et souplesse, de telle sorte que, justement, le dispositif puisse vivre dans chacun des collèges. Ce qui pourrait aider aussi, c'est de ne pas laisser rentrer les élèves avec leur téléphone portable. Alors, la pause numérique, c'est un sujet, vous en avez entendu parler. Plusieurs établissements expérimenteront ce dispositif dans l'académie. Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, avait annoncé avant la rentrée, avant l'été, qu'un établissement en Isère allait tester le port de l'uniforme. Qu'en est-il exactement? On n'a pas de tenue unique en Isère pour cette rentrée. Alors, puisqu'on continue avec le collège, pour les élèves de collège, là, la réforme qui était prévue est suspendue. Il est question d'une réforme autour de l'obtention du brevet pour changer un petit peu la proportion entre contrôle continu et note finale. On sait ce qu'il en est? Alors, effectivement, sur les annonces qui avaient été faites sur le choc des savoirs, il y avait une réforme du DNB, du diplôme national du brevet, avec cet équilibre qui serait différent entre le contrôle continu et les notes à l'examen. Alors, les textes sont prêts. Le ministère attend avant de les publier. Il serait probable que ce texte soit publié rapidement. On attend l'effectivité de cette publication. En revanche, la nécessité d'avoir le DNB pour pouvoir accéder en seconde, ce point-là est gelé pour le moment. Donc peu probable pour la fin de l'année. Une dernière petite question. Le dernier nom qui circule pour un Premier ministre, c'est celui de Thierry Baudet, assez inconnu du grand public. Il est actuellement président du Conseil économique, social et écologique. Il a une formation d'instituteur. Est-ce que ce serait une bonne nouvelle pour l'éducation nationale que ce soit un de ses anciens membres qui prenne la tête du gouvernement? Alors vous avez des informations que je n'ai pas encore. De toute façon, le travail qui sera
qui sera conduit au niveau national, bien sûr, s'appliquera dans l'Académie de Grenoble et dans le département de l'Isère. Merci beaucoup, Patrice Gros. Je rappelle que vous êtes directeur académique de l'Isère. Merci. L'exploit sportif de l'été, il n'est pas signé Léon Marchand, non, non, ni Marie Patouillet, mais Jérémy Pinard. Notre journaliste tout-terrain a profité de ses vacances pour relier Grenoble à Lorient à vélo. 2 semaines et 1100 km pour aller voir jouer son équipe de foot préférée, le GF38, mais surtout pour découvrir les richesses de la campagne française. Un exploit qui lui a valu les honneurs de la presse quotidienne régionale, mais qui n'aura pas suffi à faire gagner les Grenoblois, battus le 24 août 2-0 par les Bretons. Et évidemment, vous retrouvez les principaux résultats sportifs du week-end dans le JT, après le JT, dans le Sport Express de Lucille Dailly. Retour de l'actu dans une heure et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte avec le bal de la Libération. Libération dont on célèbre cette année les 80 ans. Samedi soir, après une journée festive, on a guinché et twisté dans la cour du musée de la Résistance et de la Déportation de l'Isère et on s'est bien amusé. Excellente soirée à tous. Avec les yeux, moi qui l'aime tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Je restais grisé sans volonté, sous ses baisers. Sans plus réfléchir, je lui donnais le meilleur de mon être.